Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce mercredi 24 juin, fête nationale des Québécois qui n'ont pas de pays. 2020, 10h04, heure du Québec. La Californie se retrouve elle aussi dans une situation vraiment alarmante où depuis 2 jours, on a une augmentation des cas vraiment significative. Pendant que Donald Trump, il n'y a pas quelques jours à peine, mais quelques jours à peine, et je vais vous démontrer que c'est vraiment qu'il a mis ça en application. Hein. Lui, il disait que les tests étaient effectués en grand nombre aux États-Unis et que c'était un couteau à deux tranchants et que c'est à cause de ça qu'on voit la quantité de cas augmenter, ce qui est complètement stupide et aberrant comme déclaration. C'est un nombre de cas qui augmente, c'est pas parce qu'on teste, parce que les gens sont malades, c'est pas le test qui donne la maladie, puis le virus, puis c'est pas le test qui envoie les gens à l'hôpital puis qui les fait mourir. C'est tellement ridicule. Cet homme-là est... Wow! On va aller l'écouter d'abord parler du test, puis après ça, je vais continuer sur cette idée-là, OK? Pour vous amener où la nouvelle nous amène, pour vous démontrer qu'il coupe le financement, justement, fédéral pour les tests. Parce que c'est certain qu'il n'y a aucune stratégie du point de vue de l'administration de Donald Trump pour combattre cette pandémie-là. Aucune! C'est vraiment du n'importe quoi. Il n'y a aucune stratégie fédérale, il n'y a aucune stratégie, aucun leadership. On écoute Trump qui, c'était le 20 juin, nous disait la chose suivante dans son fameux rallye désastreux de Tulsa. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests of people. Il est comme découragé qu'on teste, parce que là, t'as affaire à une pandémie mondiale qui vient tuer 125 000 Américains, là, qui vient de tuer 125 000 Américains. Puis c'est comme s'il était en train de dire « Ah, je veux plus qu'on en parle, je veux plus qu'on teste, je veux que c'est fini, là, je veux qu'on passe à autre chose. » Cet homme-là est déconnecté, est vraiment, wow, vraiment d'abord inhumain. Aucune compassion pour ceux qui sont affectés par cette pandémie, par la maladie. Pour les gens qui ont perdu des... Vraiment, ça, c'est le président des États-Unis. Quelle honte! Vraiment, c'est honteux. Le comme... Oh, on a un autre, là, puis il y a un autre cas. Ben c'est parce que c'est une pandémie, le gros. Wow! Vraiment choquant. The young man's 10 years old. Anyways, bon, là, je vais aller vous montrer ce qui se passe en Californie. La Californie fracasse un nouveau record de nouveaux cas pour le deuxième jour consécutif. Pour la deuxième journée consécutive, la Californie a battu un record quotidien de nouveaux cas, signalant plus de 6600 infections mardi, après avoir signalé plus de 6000 infections lundi, laissant à l'État son deuxième record consécutif pour le plus grand nombre en une seule journée depuis le début de la pandémie. Mercredi, le recul des actifs à risque a braqué les projecteurs sur la crise mondiale croissante du coronavirus, une recrudescence des cas mondiaux principalement due aux États-Unis, à l'Amérique latine, à une poignée de pays asiatiques et euro-asiatiques, dont l'Inde et la Russie, et plusieurs de leurs voisins. Plus alarmant encore, les États-Unis sont passés ou sont en passe de voir le nombre moyen de nouvelles infections rapportées éclipser quotidiennement les sommets du pic de l'épidémie en avril, lorsque New York, New Jersey, Massachusetts et le Connecticut ont vu leur nombre de patients hospitalisés et dans les soins intensifs ont atteint leur sommet, alors que les décès ont traîné au milieu des preuves de l'augmentation du nombre de cas aux États-Unis et principalement dû à des jeunes agissant de manière irresponsable. Il y a environ une semaine, les États-Unis éclipseront les 50 000 cas par jour, à un moment où une augmentation des décès et des cas plus graves seront pratiquement inévitables. À ce stade-ci, la flambée alarmante des nouveaux cas, observée le long des États-Unis dans la ceinture solaire de la Floride à l'Arizona en passant par la Californie, est clairement due à l'assouplissement des restrictions économiques, car les États qui ont attendu le plus longtemps pour fermer ont également été parmi les premiers à rouvrir. Au début, il semblait que cette stratégie avait été justifiée, car la Géorgie semblait avoir esquivé la seconde vague redoutée, mais l'État a depuis vu son nombre de cas quotidiens revenir sur un territoire record. L'Arizona, la Californie, le Texas et le Mississippi ont tous signalé une augmentation record du nombre de nouveaux cas hier, ainsi que dans d'autres États. Vraiment, vraiment alarmant. La hausse se produit, comme nous dit Funstrat, dans plusieurs États, et bien que les tests soient plus élevés, la hausse synchronisée entre les États est le principal moteur. La tendance, dans les cas, n'est pas bonne et, à première vue, devrait être alarmante. Et ce n'est pas seulement les États-Unis et le Brésil. L'Allemagne a signalé 712 nouveaux cas de COVID, soit une augmentation de plus de 200
par rapport au nombre signalé hier, alors que l'Allemagne lutte contre une épidémie dans une usine de conditionnement de viande, tandis que Tokyo rapporte 55 infections, son plus grand nombre quotidien depuis le 5 mai. Donc, on voit que c'est vraiment, vraiment très, très inquiétant. En Australie, l'État de Victoria a vu 20 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures et un homme dans la cinquantaine est décédé, ce qui porte le nombre de morts à 103 quelques semaines après la réouverture de l'économie. Le Royaume-Uni s'apprête à lever la plupart de ses restrictions de verrouillage. L'OMS a déclaré mercredi que tous les pays africains ont désormais développé des capacités de laboratoire pour tester le coronavirus. Le dernier million de cas a été signalé en une semaine, imaginez-vous. Ça a été rapide, hein, le dernier million de cas, donc... Vraiment, vraiment inquiétant. Puis ceux qui prétendent que tout va bien, Madame la Marquise, puis que c'est fini, je ne sais pas dans quelle dimension, univers ces gens-là vivent. Mais c'est vraiment, vraiment inquiétant de voir qu'il y a une petite partie de la population qui pense que tout ça, c'est exagéré et que c'est un coup monté mondial, une fumisterie, un complot mondial. Vraiment, vraiment, c'est... Ça nous en dit beaucoup sur l'état de santé mentale d'une partie. Une chance qu'elle est infime, mais infime, une partie de la population et son état de santé mentale, vraiment inquiétant.